Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. L'événement de Doom s'est passé et il était juste abusé. Il y en a qui n'ont pas aimé, il y en a qui ont aimé. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez aimé dans les commentaires. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler de l'événement parce qu'il y a eu beaucoup de choses à noter, des choses sur le futur de la saison. Mais avant, j'annonce les gagnants du concours que j'avais lancé sur ma map Sniper. Donc, les gagnants sont Unchestfire sur Twitter. Donc, lui, c'est le gagnant de Twitter. Et le gagnant de Discord, c'est VShadow 2.0. Donc, les deux, vous avez gagné. Mais si t'as perdu, c'est pas grave parce que là, maintenant, je mets en jeu 13 500 V-Bucks. Vous avez bien entendu, 13 500 V-Bucks en jeu maintenant. Pour participer, les gars, c'est super simple. C'est sur la même map, donc vous allez sur Fortnite, vous tapez le code de cette map que vous voyez sur la vidéo, vous la mettez en favori. Très important, il faut que le cœur soit rempli. Une fois que vous l'avez fait, vous allez sur la map et le but, ça va être simple, c'est de mettre le plus beau clip que vous pouvez mettre. Donc soit un trick shot, soit vous tuez quelqu'un à l'autre bout de la map sans viser, le plus beau clip. Voilà, le plus beau clip. Donc soyez inventif. Une fois que vous avez mis votre plus beau clip, vous devez me l'envoyer. Pour me l'envoyer, les gars, vous avez deux options, soit sur Twitter, soit sur Discord. Sur Twitter, vous devez uploader, vous devez tweeter votre clip et mettre le hashtag TrickShotSniperArena. Ne vous trompez pas dans l'orthographe, sinon je ne pourrai pas vous trouver. Écrivez bien comme sur la vidéo que vous voyez. Et si vous n'avez pas Twitter, eh ben on a créé un salon aussi sur Discord. Donc sur Discord, vous devez mettre votre vidéo dans cet onglet-là. Et une fois que vous l'avez mis, vous avez participé. Je ferai le tirage au sort dans, allez, une semaine. Dans une semaine, je ferai le tirage au sort. Et je tirerai au sort un gagnant parmi tous les clips. Et ce gagnant-là gagnera 13 500 V-Bucks, c'est énorme. Merci à Anthony Voss qui met les V-Bucks à disposition. Bonne chance à tous et que le meilleur clip gagne. Bon, maintenant les gars, on va parler de l'event. En fait, le plus important, c'était dans la cinématique au début de l'événement. Parce qu'au début de l'événement, on a une cinématique et elle était vraiment stylée. Donc en fait, dans cette cinématique, on voit des choses importantes. Déjà, on voit que Jones a failli mourir. Il se prend une attaque de Doom et en fait, Doom essaye de le tuer. Et en fait, il charge une attaque et au dernier moment, hop, elle prend le bouclier de Jonesy et elle le protège. Sauf que, et c'est là où il faut avoir l'œil, c'est qu'en fait, l'attaque qu'a fait Doom, eh ben en fait, le bouclier de Captain America a emmagasiné l'attaque. En fait, il a chargé l'attaque en lui-même. C'est pour ça que le bouclier, il se pète pas, mais il brille. Il brille jaune et il y a des éclairs dessus. Donc, l'attaque de Doom, elle est rentrée dans le bouclier de Captain America. Et quand Doom, il prend Hop, eh ben en fait, elle décharge l'énergie du bouclier dans l'œil de Doom. C'est comme ça qu'elle l'a blessé. Elle a retourné l'attaque de Doom contre lui. Sauf que, et c'est là où il faut comprendre, c'est qu'en fait, l'énergie de l'attaque de Doom, déjà, elle vient de la boîte de Pandore parce que je vous rappelle que l'armure de Doom elle est faite avec l'énergie de la boîte de Pandore. Donc l'attaque qu'a renvoyé Hop à Doom, c'est une attaque avec la puissance de la boîte de Pandore. Mais surtout, on voit qu'à la fin, Hop, elle a récupéré une partie de cette puissance qui s'est stockée dans son bras. On voit que son bras, il a de l'énergie de la boîte de Pandore. Il y a des éclairs et tout. Et c'est pas une blessure. Parce que elle a mal au début, mais après, elle ferme le poing. Donc comme si elle avait de l'énergie dans son poing. Donc vraiment, c'est super important parce que déjà, Fortnite ont sorti une version de Hop qui s'appelle Élu de Pandore. Et dans cette variante, elle cache son bras. Elle le cache. Parce qu'on voit que, ben on sait que elle a le bras qui a été modifié à cause de l'attaque de Doom. Donc moi je pense que bientôt ça va annoncer du lourd pour Hop parce que Hop elle va rester dans l'histoire. Donc peut-être qu'elle va développer des pouvoirs parce que je vous rappelle aussi qu'on a un spray de Hop où elle a l'air d'invoquer l'oracle. Donc peut-être qu'elle va avoir un lien encore plus fort qu'avant avec la boîte de Pandore et l'oracle. On verra. Mais en tout cas ça c'est très 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 bizarre. Aussi, ça je vous en avais déjà parlé mais je vous le rappelle, au début de la cinématique, quand on essaye avec les lasers, les machines lasers de Iron Man d'attaquer Doom et que ça marche pas, Doom il nous attaque et il fait voler presque tous les appareils d'Iron Man. Et en fait, ces appareils-là n'ont pas disparu. Ils sont atterrés à des endroits. Donc, il y en a une qui est à Grand Glacier. Et à côté, on a des citrouilles. Pareil pour Restored Drills. Il y en a une qui est par terre. Vous pouvez aller la voir en jeu. Et pareil pour Brawler Battleground. En fait, on a trois des appareils d'Iron Man qui sont apparus. Fait qu'ils ont été éjectés à ces endroits-là. Et en fait, ça annonce l'arrivée de l'event d'Halloween. Parce qu'en fait, les citrouilles, ben, c'est Halloween. Et en fait, les appareils vont ramener et modifier les villes. Et ramener les ténèbres dans ces villes. Donc, en fait, Grand Glacier, Restored Drills et Brawler Battleground, ces trois villes-là, vont être des villes principales de l'event d'Halloween. D'ailleurs, cet événement Halloween, on aura plus d'informations mardi, puisque mardi, il y a la mise à jour d'Halloween. Et d'ailleurs, ce sera ce jour-là où on aura Saw qui sortira dans la boutique. Donc, on peut imaginer que logiquement, l'événement d'Halloween commence mardi, là. Ce mardi-là, donc demain. Voilà. Donc, demain, événement d'Halloween. On aura sûrement plus d'infos sur la fin de saison. Et surtout sur l'événement d'Halloween, dont je vous affiche l'image qui a l'air exceptionnelle. Mais ça, on en parlera du coup demain en live. Mais du coup, les gars, la grande question, et c'est là où j'ai vu beaucoup de gens être déçus, c'est est-ce que Doom a perdu? Parce que là, on peut le voir, bah, Doom, il reste juste son masque au milieu de la map. Sinon, il a l'air d'avoir perdu. On l'a renvoyé avec une faille au loin. Et ça, ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle Galactus. On a fait exactement pareil avec Galactus. On a ouvert une faille qui l'a renvoyé d'où il vient. On n'a pas abattu Galactus. On l'a juste renvoyé très loin, d'un autre bout de l'univers. Le problème, c'est que est-ce que là, on a battu Doom? Et ça, c'est la vraie question. Alors, d'après vous, dites-moi dans les commentaires si oui ou non, on a battu Docteur Doom. Moi, personnellement, je pense pas. Pourquoi? Eh bien, en fait, déjà, ça serait trop simple, trop rapide. On a juste eu une bataille pendant une heure où on se battait contre lui.
Voilà, et on l'a renvoyé dans une faille. Déjà, de une, trop rapide, trop facile. De deux, ce serait complètement répétitif avec Galactus. C'était exactement pareil avec Galactus. Galactus, on s'est battu vite fait contre lui, faille, il part. Voilà, ben Doom pareil, on s'est battu contre lui, faille, il part. Trop répétitif. Ça m'étonnerait que Fortnite fasse deux fois la même chose. Et surtout, rappelez-vous de l'emote de Doom. L'emote qu'on débloque de Doom, c'est une emote où il y a Lille qui apparaît et il la tape et il la casse. Est-ce que cette emote, c'est complètement inventé ou est-ce que c'est un avant-goût du futur? Parce que je vous rappelle qu'en fin de saison, là, cette fin de saison, on a encore un événement. Un événement où il y aura 6 phases et surtout où il y aura un trou noir à la fin. Et vraiment, réfléchissez. Réfléchissez. Pourquoi on aurait un trou noir en fin de saison? Logiquement, c'est parce que la map sera détruite. Parce qu'on n'aura plus besoin de la map chapitre 5 puisqu'on va passer au chapitre 2. Donc la map va être détruite. On est tous d'accord pour dire ça. Si on a un trou noir, c'est que la map a été détruite. Et on va passer au chapitre 2, donc ce sera plus la même map. Donc on est d'accord. La map de cette saison, donc du chapitre 5, va être détruite cette fin de saison. Mais qui va la détruire? Est-ce que ce serait pas Doom? Doom qui, à la fin, reviendrait grâce à une faille et terminerait ce qu'il a commencé. Donc en détruisant la map de Fortnite. Deuxième théorie, et celle-là, elle est tout aussi logique. En vrai, mais avant de vous la donner, on remercie Zerko qui a utilisé le code Nanas dans la boutique NANASS. Les gars, n'oubliez pas d'utiliser le code Nanas, ça régale. Et on remerciera les autres à la fin de la vidéo. Cette deuxième théorie, ce serait que Mephisto va détruire la carte. Alors, Mephisto, normalement, il devrait arriver mardi avec Fortnite Mers. Donc l'événement d'Halloween, et c'est un grand méchant. C'est vraiment un gros méchant de l'univers de Marvel, c'est le roi des enfers. Et Mephisto, on sait qu'il va arriver puisque on pourra sacrifier de la vie pour avoir des avantages en jeu. Et ça a leak. C'est pas inventé ou quoi, ça a leak. Après, ça m'étonnerait que Mephisto soit aussi puissant pour détruire l'île. Moi, je pense que ce serait plus le rôle de Doom. Franchement, je trouverais ça très bizarre. C'est logique aussi, hein. Il se peut que Mephisto détruise la map, mais je pense que ce serait plus le rôle de Doom. Donc voilà, soit Mephisto, soit Docteur Doom. Mais on est tous d'accord pour dire que la map va être détruite. Comment? Je pense que ce serait plutôt Doom. Mais n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comment vous pensez que la map va être détruite? Parce que par contre, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la map va être détruite. Parce que sinon, on n'aura pas de trou noir. Un trou noir, c'est quand la map a été détruite. Rappelez-vous du premier event, du premier trou noir. Parce que je vous rappelle aussi qu'à chaque fois qu'on a eu un trou noir ou un trou noir entre guillemets qui tease la suite, et ben en fait, la map a été détruite. Rappelez-vous chapitre 1, trou noir, donc on change de map. Chapitre 3, l'héros, elle détruit la map, trou noir qui nous tease le chapitre 4. Et à la fin du chapitre 4, on était en saison OG et on a re-eu le trou noir qui a pété la map et on est passé au chapitre 5. Donc du coup, c'est complètement logique que si on a encore un trou noir ou un semblant de trou noir teasing, parce que même les moments où on a la vue sur la prochaine map, c'est des trous noirs, hein. C'est considéré comme des trous noirs, et bien ça a été tout le temps quand la map a été détruite. Donc je pense que perso, Doom reviendra à l'event de fin de saison, et il détruira la map pour qu'on passe au chapitre 2 OG, et après plus tard, il y aura l'événement de Midas, donc ça, ce sera autre chose qui nous fera passer au chapitre 6. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, on va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas, je rappelle les gars, code Nanas dans la boutique, NANASS, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans mon serveur Discord qui est dans la description, dans l'onglet code Nanas, et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Merci à Bassi qui a régalé avec le code Nanas, merci beaucoup à Orixi qui a régalé. Merci beaucoup à Lynx, merci beaucoup à Abu Baking, merci beaucoup à Tozy, merci beaucoup à DJ Kendix, merci beaucoup à Anthony Voss, merci beaucoup à Tozy62, merci beaucoup à Anthony Voss, merci beaucoup à Cenix, merci beaucoup à Darkum, merci beaucoup à Hugo Extreme, merci beaucoup à Danny Win, merci beaucoup à Nico81, merci beaucoup à Tozy62, merci beaucoup à The Doom Cube, merci beaucoup à Adamala, merci beaucoup à Anthony Voss, merci beaucoup à Tozy62, merci beaucoup à Monsieur Furio officiel, merci beaucoup à Lioni, merci beaucoup à Eternal, merci beaucoup à King Master, merci beaucoup à Retrooper et merci beaucoup à Fares qui régale avec le code Nanas. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.